gang, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 6h15. Je suis de bonne heure sur le piton ce matin parce que mon chum est parti 2 jours dans le coin de Varennes et de Repentigny. Parti quand même tôt ce matin. Fait que moi je me suis dit tant qu'à ça, je vais me lever. Même s'il est bien de bonne heure. Là, je suis dans la salle de lavage. Je me suis habillée. Puis là, je suis en train de ramasser le linge d'Amélia que j'ai lavé hier ou avant-hier. On va monter en haut ensemble. Puis, j'ai su que ma maman va venir faire un tour à Québec. Va venir me voir à Québec. Fait que, elle va rester accoucher à Québec, tout. Je suis contente. Alors, on va se tarder une brassée. Une brassée de vêtements avec Benji. Il fait très noir présentement dehors, vu qu'il est juste 6 heures. Dans quelques minutes ou maintenant, il devrait avoir un vlog en ligne. C'est le vlog de avant-hier, de samedi. Puis tantôt, je vais aller faire le montage. Je vais aller continuer le montage du vlog d'hier. Première brassée de fait de starter de la journée. J'ai le linge d'Amélia ici. Donc, on va fermer la porte ici. Ça la salisse. Puis Amélia ben, est ici un matin. J'ai quand même bien dormi. Je me suis réveillée quand même 3 fois. Fait que moi, je vous reprends en haut. Là, bonjour. Il est présentement 6h43 du matin. Et j'ai quand même pas mal activé mes choses. J'ai une brassée de vêtements, comme vous avez pu voir tantôt. J'ai préparé mon café pour qu'il coule à 7h15. Là, j'étais en train de me commander du café et peut-être d'autres trucs sur Amazon. Sinon, le vlog est présentement en ligne. Puis, j'ai donné à manger au chien, au chat. J'ai sorti mon chien. J'ai caressé mon chien. J'ai brossé mes graines de citrouille d'hier. J'ai remonté le linge de ma fille en haut que je vais ranger aujourd'hui. Puis j'ai rempli les 2 bocales de bouffe de mon chien. Puis là, je pense que je vais faire une liste de choses que j'aimerais faire aujourd'hui. Pas d'exporter, mais de... Comment je dirais ça? De mettre les fichiers du vlog d'aujourd'hui sur mon logiciel de montage pour préparer la vidéo pour faire du montage aujourd'hui. Puis je vais aller faire du montage du vlog d'hier. Que j'ai quand même bien avancé, là. Moi, je vais aller faire du montage, je vais aller faire ma liste d'épicerie, ma liste de tâches à faire aujourd'hui. Puis, on se reparle plus tard. Tu as fait des dodos. Hein, Cléo? Tu as fait des gros dodos. Maintenant fait, je vais prendre une screenshot, mais c'est la liste que je me suis faite pour aujourd'hui puis demain. Puis il y a des choses que je vais faire aujourd'hui. Il y a pas mal plus de choses que je vais faire pour aujourd'hui. Fait que c'est ça ma petite liste de la journée. Le soleil commence à vouloir se lever, mais je suppose que ça va être une journée grise aujourd'hui. Encore une fois. Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien.
Je vous ai pas parlé depuis un petit bout parce qu'il est arrivé un petit incident à la maison. J'ai bouché la toilette et j'ai fait déborder ma toilette. Et on n'a plus d'eau parce que nous, on a un système que quand on l'eau déborde, puis l'eau se rend. Pour pas qu'elle tombe dans les conduits et que ça fasse des dégâts d'eau, on a un petit système qui se met en alerte que quand ça y touche, bien, ça coupe l'eau. Fait que là, moi, j'ai plus d'eau dans la maison. Je peux pas sortir mon lave-vaisselle, mais je vais le vider au moins puis le remplir pour quand ça va fonctionner. Puis mon chum est parti dans le Montréal, fait que moi, j'ai rien. Je l'ai appelé tantôt, j'ai laissé un message sur le répondeur. Je vais le texter aussi tantôt. Parce que je pense qu'il n'a pas vu ses messages. Puis, ben, je vais texter tout de suite. Parce que la toilette d'en haut ne marche plus. J'ai amené un vlog que j'ai exporté. Puis, il est présentement programmé pour demain. C'est le vlog d'hier. Puis, j'ai transféré mes fichiers du vlog d'aujourd'hui. Je vais cuisiner, mais là, si j'ai pas d'eau, ça sert à rien. Mais je peux cuisiner certaines recettes pareilles. Je devrais recevoir un colis aujourd'hui. J'ai hâte, je sais pas à quelle heure par exemple. Puis ma maman est supposée venir me voir à Québec. Mais je sais pas à quelle heure elle va passer. Elle avait des choses à faire un matin. Donc elle devait monter au courant de la journée. Même si elle n'arriverait pas ce matin, c'est pas si grave que ça. Là. Ça va moins sentir dans la maison. Ça va vider mon comptoir. J'ai eu le temps de faire mon lavage au moins. Je vais chercher ma petite liste. J'ai vidé puis rempli mon lave-vaisselle. J'ai programmé le vlog pour demain. Porter le livre à la bibliothèque, c'est quand je vais y aller tantôt. Que je vais aller à l'école. Donc, je viens de trouver une recette pour faire les graines de tournesol. Les graines de citrouille, j'étais habituée à dire des graines de tournesol. Je vais ajouter mon sel. On attend que le four soit prêt. Rebonjour, il est présentement 11h15 et je m'apprête à ranger mon linge avec mon chien. Ouais! Mon chum est plus facile à distance de ouvrir l'eau finalement. Fait que j'ai pu starter mon lave-vaisselle, me laver les mains, autre que du purel. Il s'est levé à 5h30, puis il est parti à 6h. Fait que je suis en solo pour 2 jours. Présentement 1h59, on pourrait dire 2h, et je sors de l'école des adultes. J'avais été dîner avec une de mes amies. On est allé se chercher du McDo, j'ai pas filmé là, avec elle parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis, je vous ai pas filmé non plus pendant que je m'en venais ici. Je m'en vais faire un petit tour chez Tigre Géant. Je vais aller voir s'il y a des trucs nouveaux. Puis,
acheter des spéciaux dans quelque chose. Je vais peut-être aller m'acheter une nouvelle paire de pantalons, de leggings, parce que j'en ai plus. Ben, il m'en reste encore, mais c'est des rabais ou des trucs intéressants. Aussi, je vais aller voir dans les trucs d'épicerie s'il y aurait des trucs. Des bons spéciaux cette semaine. J'ai pas checké le circulaire de la semaine. Du coup, je le check grosso modo parce que le petit client, le plus proche, j'en ai un petit client à Québec, le plus proche, ben. Les deux sont sur la même rue, à une distance, mais pareil. Et là, c'est vraiment le fun avec mon ami, on a discuté. Ça faisait un bout, je pense que la dernière fois que je l'avais vu, c'était fin août. Bonjour, il est présentement 2h45 et je retourne à la maison. Le sens du TGN, ça m'a coûté 40$, mais je suis vraiment fière de mes achats. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. J'ai acheté deux bouteilles d'antibactérien parce que j'en avais quasiment plus pour mon sac à main. À la vanille et au chocolat. J'ai aussi du Jello. Du parmesan pour faire une salade pour ce soir. Du fromage feta. Puis j'ai trois morceaux de linge. J'ai un pyjama. Il était 10$. Un carreau. Une paire de leggings comme que je les aime beaucoup. Parce que les autres sont percés. J'ai pris un 2X. Une paire de bobettes. Que je vais essayer de voir si je suis confortable là-dedans. J'étais 3$ puis je commence à manquer de bobettes. Des bobettes comme ça qui montent un peu plus haut. On va voir avec la bédaine si ça va faire. Fait que là, je go à la maison. On va aller commencer la recette de coquillettes à l'italienne. Puis je vais aller aux toilettes encore une fois. Puis je vais aller prendre une marche avec mon chien. En allant voir le courrier. Et je vais peut-être avoir reçu aussi ma boîte, mais mon colis. Des colis, j'espère. Rebonjour, il est présentement 3h15 et je suis de retour à la maison. Je suis arrêtée à la poste. J'ai eu du courrier pour moi. J'ai eu du courrier du chômage pour m'expliquer toutes les informations que j'avais lues sur mon dossier. En tout cas, je sais que des fois, ils font du gaspillage de papier. J'ai reçu aussi une boîte d'échantillons. J'ai reçu un échantillon de boîte qui fait partie de Sample Source. J'ai pas reçu la boîte de Sample Source encore. Mais bon, ça devrait sûrement pas tarder. Peut-être que demain, je vais le recevoir. Je suis contente d'être de retour à la maison. On se pose. J'avais envie de pipi. J'ai mon chien qui est derrière. C'est Benji qui mange un oignon. Hein? Si le nana ça basé. Fait que ça, on va venir commencer l'échantillon de la boîte. Ça va pouvoir peut-être me faire une collation pour aujourd'hui. Je la mangerai peut-être pas là, j'ai pas faim parce que ça fait pas longtemps que j'ai fini de souper. De souper, de dîner. Et boy, c'est une. Grosse boîte pour une mini bâton. Je pense qu'ils ont au Costco. Pas sûr, mais. Pour une bâton granola avec filet de chocolat. Et j'ai reçu un colis! Tellement contente. J'ai reçu un méga colis, là. J'ai hâte d'avoir de quoi de pesant dedans, là. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble. On dirait que moi, ouvrir un colis, je suis comme toute excitée parce que c'est comme être à Noël. Mais je sais de qui ça vient, ce colis-là. Là. C'est ma meilleure amie qui reste à Sherbrooke, qui n'a pas pu être là à mon chaleur. Un Benji, c'est bien cacheté, hein? Benji aussi, il est aussi énervé que moi. Elle m'a fait une petite trousse de produits de bébé. Oh! Non, je pense que je vais l'avoir eu deux fois. Mais c'est pas grave.
Pour commencer, elle m'a acheté des ustensiles. Qui change de couleur par magie, comme ma soeur de la marque Munchkin. Veux-tu manger? Ensuite, elle m'a acheté du dentifrice pour enfants, pour bébé. Avec la brosse à dents, à la saveur de pomme et banane. Une lotion pour bébé douceur d'avoine de Life Clean. Comme ça. Un petit ensemble pyjama, mais gardé, qu'est-ce que c'est? C'est des pingouins? Un 6-9 mois. Avec le petit chandail. Et la dormeuse que j'ai une autre de mes amies qui me l'a acheté aussi, mais c'est pas grave si j'en ai deux, là. La petite dormeuse avec carotté, là. Vous connaissez mon amour pour le carotté, hein? Je suis tellement contente. Merci Heidi si t'écoutes cette vidéo-là, mais sinon je vais venir t'écrire personnellement. Ça, c'est sûr. Merci, merci énormément. Fait que moi, je vais aller faire un peu de montage. Je vais peut-être aller écouter un épisode de... Je voudrais écouter l'huile de l'amour, mais il y a des pubs, puis il n'y en avait pas avant. C'est chiant, là. Sinon, je vais aller écouter peut-être Grey's Anatomy ou des vidéos sur YouTube. Puis tantôt, vers 4h, 4h30, je vais commencer à préparer le souper pour moi tout ça. Fait que... On se reparle un peu plus tard. Très bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 5h. Ma mère, elle devrait être heureuse d'arriver. Ben, je ne sais pas, le barcarat qui est parti. Mais moi, je suis en train de préparer le souper pareil. Je suis en train de faire revenir le steak haché pour les cookies à l'italienne. Je vais pouvoir vous montrer en même temps comment je vais à manger. La croissante aux framboises est prête et est en train de reposer, elle sent vraiment bonne. La seule chose, c'est que j'ai pas été remplacée pour manger ça parce que celle que j'ai, je l'aime pas. Fait que là, dans mon chaudron, j'ai mis le bœuf haché. J'ai mis un enveloppe de soupe à l'oignon. Puis, je suis en train de me couper des champignons. J'ai commencé à faire le montage vlog. Puis, j'ai ouvert mon colis. Je vous ai montré ce que j'ai reçu de ma meilleure amie. Moi, je mange des queues. Que je vous coupe. Mais je vous coupe. Je me coupe. Je peux me gâter avec des champignons parce que mon chum n'aime pas ça, mais ma mère, elle aime quand même ça. Ça vaut la peine de se gâter quand nos chums sont pas là avec des aliments que eux aiment pas. Je voulais citer des vidéos sur YouTube, mais il y a une mise à jour à faire. Mon paquet de viande n'est pas gros, mais ça va être bien en masse pour nous deux, ma mère et moi. Puis je fais ça dans mon poêlon que j'aime tellement anti-adhésif. Maintenant, on va venir ajouter... On rajoute une canne de tomates en baie. On mélange le tout puis on laisse porter à ébullition. On va ajouter un peu de sel et poivre au moins. J'ai de l'estragon, mais je sais pas si ça va être bon. On va ajouter du poivre. Je peux même mettre ce qu'il reste. Il va falloir que j'aille me racher des épices. Fait qu'on laisse monter ça à ébullition. De bouillir, je vais vous montrer. Fait que c'est en train de bouillir tranquillement. C'est très simple à faire. C'est la recette de ma marraine. Mmh.
Voici le résultat que ça donne. J'ai ajouté 2 tasses d'eau plus 2 tasses. J'ai ajouté 2 tasses d'eau puis 2 tasses de coquilles. Puis pour donner un petit peu de goût, j'ai ajouté un peu de parmesan que ça l'a fondu. Et ma maman est en route, elle est dans le coin des galeries de la capitale. Puis voici le résultat de la croustade aux framboises. Fait que je vous donne mon impression plus tard ou une autre journée.